Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de comment réchauffer son cochon d'Inde en hiver. Car ça y est, c'est l'hiver, les températures commencent à baisser. Donc voilà, et en plus j'avais très envie de faire cette vidéo. C'est parti! Tout d'abord, nous allons parler des cochons d'Inde en intérieur. Il vaut mieux faire attention quand vous aérez, car si la température se refroidit d'un seul coup, vos petits compagnons peuvent attraper froid. Placez une couverture sur la cage quand vous ouvrez la fenêtre, et si jamais vous avez une cavy cage ou une cage sans toit, il faut juste ne pas laisser la cage dans une pièce où il fait trop froid, comme par exemple un garage. Dans les habitats, vous pouvez mettre des dodos confortables, des nids ou des couvertures en polaire roulées en boule. Ce sera un succès garanti. Par contre, il vaut mieux éviter la laine car les cochons d'Inde peuvent se coincer les griffes dans les mailles. Pendant les sorties quotidiennes, veillez à ce que le sol ne soit pas trop froid. Il faut le recouvrir de plusieurs couvertures pour garder leurs petites pattes au chaud. Et dès que vous voyez que vos cochons d'Inde ne bougent plus, remettez-les au chaud dans leur cage. Vous pouvez aussi leur offrir un coussin chauffant à chauffer au micro-ondes sans danger et sans fil électrique. Les cochons d'Inde qui vivent en extérieur dans des clapiers sont très exposés au froid. N'oubliez pas que les cobayes sont des animaux domestiques qui ont l'habitude de vivre en intérieur auprès des humains depuis des milliers d'années. Ce ne sont pas des animaux de basse-cour, faits pour vivre dehors. Si toutefois le vôtre vit en extérieur, voici comment les protéger du froid. Tout d'abord, si vous en avez la possibilité, il est fortement recommandé de rentrer vos cobayes. Si cela n'est pas possible, il faut alors prendre des dispositions. En plus de l'isolation, votre installation doit être équipée contre le froid. Il existe des systèmes de chauffage par le biais de lampes en infrarouge par exemple. Offrez aussi des abris, mais surtout pas en plastique, car l'humidité se condense sur les parois et est très néfaste pour les cochons d'Inde. Les abris en bois conviennent mieux. Offrez des dodos confortables et des nids garnis de couvertures en laine polaire par exemple. Au sol, mettez beaucoup de paille, connue pour bien garder la chaleur, et plein de foin, aidera aussi les cochons d'Inde à se sentir en chaud et en sécurité. Certaines personnes recouvrent leurs clapiers de bâches en plastique, mais apparemment, il semblerait que ce ne soit pas la meilleure solution, toujours à cause du problème de condensation. Afin d'éviter que l'eau ne gèle, il existe des cages isothermes à placer sur les abreuvoirs. Il existe aussi des couvertures thermiques exprès pour ça. Offrez à vos cochons d'Inde une alimentation énergétique qui leur permettra de tenir le coup. Oubliez la salade et le concombre qui peuvent provoquer des diarrhées quand il fait trop froid. Préférez la carotte, le céleri, le fenouil qui remplissent bien les petits estomacs. Certains éleveurs recommandent les flocons d'avoine. Il est parfois conseillé de ne pas rationner les extrudés mais d'en laisser à disposition en permanence. Donc choisissez un produit d'excellente qualité. Et nous surtout, n'oubliez pas la vitamine C afin de booster les défenses immunitaires. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. J'adore lire vos commentaires. Et vraiment, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Donc voilà, je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Bye!